Je suis Philippe Tobia, je suis directeur en charge des investissements et du patrimoine au centre hospitalier de la Dracély. Donc le projet c'était quoi? C'était de réduire notre dépense pour répondre aux décrets tertiaires. Et la réduction des coûts d'exploitation que va permettre ce nouveau parc représente une économie de 30 000 euros. Mais l'hôpital de demain qu'on est en train de construire, il est conscient de sa responsabilité environnementale. On a un hôpital qui est sur un terrain légèrement en pente, ne plus dépendre d'un réseau électrique défaillant, était l'idée de base. Et Michel Serres disait, rien ne donne plus de sens que de changer de sens. Vous avez décidé pour les 30 prochaines années de sortir de l'éclairage conventionnel pour aller vers une solution solaire et autonome, pas de consommation d'électricité, un impact carbone deux fois inférieur à toute solution réseau. Donc monsieur le directeur général, vous avez non seulement changé de sens, mais vous avez aussi donné du sens. On a réalisé une étude photométrique en ce sens et on a identifié jusqu'à 61 candélabres répartis sur toutes nos voies et de circulation et parking. Et vous pouvez compter jour et nuit, puisque maintenant, la lumière est. Ça donne un aspect novateur et rassurant pour nos usagers qui viennent nous voir et qui se trouvent face à une technologie innovante, au goût du jour, et complètement développement durable.